Alors, heureux. Donc, on en était au fait que j'étais coincé, que je tournais en rond, je savais pas où aller. Du coup, je dois trouver un chemin alternatif pour aller au bureau du marshal de la colonie. Et normalement, la créature était enfermée hors de Sébastopol dans le labo. Dans l'espace, rejoignez le reste de l'équipe et confrontez Waits. Voilà, parce que Waits aurait pu me sacrifier avec Alien. Donc, j'ai fini par trouver en fait cette partie-là. Simplement simple, tout simplement. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Des médics. J'ai mon marteau, mais je peux pas plutôt utiliser. J'ai ma matraque électrique normalement. C'est quoi ça? Ça change quoi? D'électricité, ça? Bref. Et vraiment, moi, dans le casque, c'est plus beau, la plus noire. Les autres. Je me casse, Ok, il est plus là, on fouille, Il n'y a pas de porte. Je crois pas qu'il est déjà là, ce connard. Sur l'écran, c'est terrible. Oh merde, par contre, mon perso est vraiment handicapé. Attends, j'en ai entendu un autre là. Ainsi en l'honneur du fondateur de Sixon Corporation, abrite les travailleurs et leurs familles
Bienvenue sur Sébastopol et fournit des suites de qualité aux voyageurs d'affaires. C'est bizarre de courir tout le temps. Alors que quand il y avait l'alien, bah, je courais pas. Genre de taser. J'essaye le taser sur les autres. C'est tout de suite moins angoissant, mais conduit. Tu sais qu'il y a quand même un alien qui peut tomber en face. Rétablir le courant. Ok. Je peux rien faire, pas qui je suis vraiment là. Je me suis installé dans la galerie du centre commercial il y a environ 24 heures. Les gens ici, ils ont peur. Ils croient encore que le Marshal Waits va tuer la créature. Ils oublient les autres dangers. Ils oublient qu'ils sont là, eux. Les gens se retournent tous les uns contre les autres pour la nourriture, pour l'eau. Je ne peux plus rester ici. Ouais, mais le script là.
Vas-y, elle est cool. Ça fait un peu un samouraï, c'est marrant. J'entends une sauvegarde, non? Ah, c'est stylé. Ah, j'aime trop. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à San Cristobal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Waits, ici le docteur Lingard. Je viens juste d'examiner une patiente avec. Oh, ah, mais je suis revenu là. C'est une sorte de parasite inconnu. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Bah du coup c'est parti en couille. C'est parti en couille ici. Et plus là l'autre. Il a bougé. Seul d'interrogatoire. Rip? Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo? Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Allons-y. Let's go. Ah!
stase. Pourquoi je me frappe? J'aime pas ces portes parce que je sais pas ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils sont ou pas. Trop chiant. Je vais au transit. C'est à droite. Je peux pas y aller à droite. Ouais, c'est fermé. Je fais gauche, gauche. C'est ça, je fais gauche. Gauche, gauche, gauche. Non, j'ai à gauche. Emprunter le transit jusqu'à la tour Simed. C'est le premier tour Simed. Pas beaucoup, mais... Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Très bien. Rip, tu me reçois? Oui. J'ai l'impression que les ordinateurs des étages supérieurs de Sixon Synthetics sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini.
qu'on va trouver Samuel, sinon ça sonne synthétique. Ça marche. Du coup, c'est derrière moi. Toujours attiré par ces machins jaunes, mais je pourrais l'en faire. Il y a marqué 4. En fait, c'est mieux que Star Citizen, hein. Le vaisseau dans Alien Isolation. C'est bien mieux. HS. On dirait que les synthétiques de Sixon n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Va falloir grimper. Il a mis un conduit de service dans le point qui mène à la cage d'ascenseur. Puis si. Alors, non, on va pas, je suis passé à la cage d'ascenseur. J'ai fermé la porte d'accès derrière moi. J'avais un lambda. J'ai pas eu d'autre choix. Si tu trouves quelque chose, le panneau me connaît. 83, 82. C'est de l'autre côté que ça se trouve où je dois aller. Après, je suis déjà passé par là. Ah oui, je m'en souviens ici. Comment il est mort à cause de l'alien? C'était cool de voir les machines fonctionner. Avec de bonnes vues, regardez sur l'écran plat. Yes, c'est bon.
Je parle pas, en fait, je suis dans mon box. Trop bien de regarder la vidéo. Oh, oh putain, mais c'est magnifique. Avec la lumière là, c'est. C'est chiant parce que. Ah bah ouais, ouais. Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Regardez à partir d'ici.